Le 15 décembre 2017, Marion Sokolić perdait sa mère à seulement 21 ans. Sur Instagram, Miss Poitou-Charente 2018 a tenu à rendre hommage à sa maman à quelques heures de la cérémonie Miss France 2019. En ce jour qui restera gravé pour toujours dans sa mémoire. Ce samedi 15 décembre est une journée extrêmement importante pour les 30 candidates à l'élection Miss France 2019, mais peut-être encore plus pour Marion Sokolić. Élue Miss Poitou-Charente le 7 octobre dernier, la candidate âgée de 23 ans est originaire de Cognac, en Charente. Amatrice de sport et de piano, la jeune femme adore les animaux et officie en tant que préparatrice en pharmacie à Jarnac. Ayant Simone Veil pour modèle, la participante souhaite devenir un exemple et surtout un porte-parole pour toutes les femmes. Si Marion Sokolić est déterminée à gagner ce soir au Zénith de Lille, c'est avant tout pour faire honneur à sa mère décédée il y a 2 ans. J'ai perdu ma maman à 21 ans, ce qui a changé ma vie et m'a rendue plus forte et courageuse, expliquait récemment Miss Poitou-Charente 2018 à Paris Match, qui ne compte donc pas se laisser impressionner par ses 29 concurrentes. À quelques heures du concours, la jolie blonde a pris le temps d'adresser un message poignant à sa mère sur Instagram. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire maman, a écrit la jeune femme d'un M 74 ans, légende d'un sublime portrait en noir et blanc. Et c'est aussi un jour qui restera gravé pour toujours dans ma mémoire. Tu n'es pas là physiquement pour vivre ce jour auprès de moi, mais je sais que tu me donneras la force et le sourire pour donner le meilleur de moi-même et rendre fiers tous ceux qui ont cru en moi. Avec sa force et sa détermination, Marion Sokolić ne devrait avoir aucun mal à convaincre et émouvoir les téléspectateurs, ainsi que le jury exclusivement composé de femmes. Pour savoir si Miss Poitou-Charente 2018 succédera à Maëva Cook, rendez-vous dans quelques instants sur TF1.